Comment gagner de l'argent sur TikTok? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment être monétisé sur TikTok étape par étape. Grâce à tous mes conseils, vous pourrez commencer à être payé par TikTok ultra rapidement. En plus de ça, je vais vous offrir un bonus gratuit pour vous montrer comment promouvoir vos vidéos YouTube sur tous vos réseaux sociaux automatiquement. Alors, prêt à gagner de l'argent avec TikTok? C'est parti, je vous explique tout en détail. Tout d'abord, il existe plusieurs façons de gagner de l'argent avec TikTok. La première, c'est le programme de récompense pour les créateurs. Il récompense les contenus originaux de haute qualité de plus de 1 minute en se basant sur 4 critères principaux. En premier, on a l'originalité, vos vidéos doivent être uniques et montrer votre propre style ou créativité. En deux, on a la durée de lecture qui prend en compte à la fois le temps de visionnage de vos spectateurs, mais aussi s'ils regardent jusqu'au bout. Les comptes dont le contenu est clair et engageant seront favorisés, contrairement à ceux qui ont un nombre excessif de vidéos. En 3, on a l'engagement du public. Ça comprend les likes, les commentaires et les partages. En 4, on a la valeur de recherche. C'est une mesure attribuée au contenu en fonction des mots-clés de recherche populaires. Un contenu qui s'aligne sur les sujets de recherche les plus demandés augmente sa valeur pour les spectateurs. Pour trouver de l'inspiration pour du contenu qui trouve écho auprès du public sur TikTok, les créateurs peuvent utiliser l'outil Creator Search Insight pour identifier les sujets populaires dans les recherches, adapter leur stratégie créative pour répondre aux intérêts du public et créer du contenu que les gens souhaitent voir davantage. Comme vous l'aurez compris, le programme de récompense pour les créateurs offre de nombreux avantages, mais nécessite de remplir certaines conditions pour être éligible. Vous devez avoir au moins 18 ans, compter au moins 10 000 abonnés et totaliser un minimum de 100 000 vues au cours des 30 derniers jours. En plus de ça, votre compte personnel doit respecter les règles et politiques de TikTok et être situé dans un pays où le programme est disponible, et ça c'est le cas de la France. La deuxième façon de gagner de l'argent sur TikTok est le TikTok Marketplace. Il s'agit d'une plateforme présente au sein de TikTok qui facilite la mise en relation entre les marques et les créateurs de contenu. Elle leur permet de collaborer sur des campagnes rémunérées ou bien récompensées. L'accès est réservé aux utilisateurs qui remplissent les mêmes conditions que je vous ai citées tout à l'heure. Je vous les remets juste ici si vous les avez oubliées. Si vous remplissez ces critères, vous recevrez une invitation pour participer à ce programme. Mais si jamais vous souhaitez postuler, TikTok évaluera votre compte et décidera de votre éligibilité. Vous recevrez ensuite les résultats de l'examen. En cas de rejet de votre candidature, vous pourrez retenter votre chance après une période de 30 jours. Avant de passer à la troisième façon de gagner de l'argent avec TikTok, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu pour m'encourager. Ça nous aide aussi à ce que davantage de personnes voient cette vidéo. On arrive déjà à la dernière façon de gagner de l'argent et il s'agit des cadeaux TikTok. Il s'agit de symboles virtuels offerts par les spectateurs à leurs créateurs préférés. Présentés sous forme de diamants numériques, ils représentent une forme de monétisation innovante pour les créateurs. Lors des diffusions en direct, les spectateurs ont la possibilité d'acheter des cadeaux virtuels à l'aide de pièces TikTok, une monnaie obtenue avec de l'argent réel. Ces cadeaux prennent la forme d'émoticônes animés, colorés et attrayants, tels que des cœurs, des fleurs, des pandas, etc. Avant de vous expliquer la suite, je vous recommande d'aller voir cette vidéo dans laquelle je vous explique comment faire des lives sur TikTok, le lien est également dans la description. Lorsqu'un spectateur envoie un cadeau, celui-ci apparaît à l'écran avec un effet visuel spécifique, augmentant l'interaction entre le créateur et son audience. Les cadeaux sur TikTok ne représentent pas seulement un soutien financier pour les créateurs, mais également un moyen de susciter l'engagement et d'encourager une atmosphère interactive pendant les lives. Ces cadeaux peuvent également débloquer des fonctionnalités spéciales ou des avantages pour les spectateurs qui les envoient. Chaque cadeau offert par les spectateurs est converti en une valeur spécifique en diamant, calculée en fonction du coût en pièces du cadeau. Une fois accumulés, ces diamants représentent une valeur monétaire réelle pour le créateur. Cependant, TikTok exige que le montant atteigne un seuil minimum de 100 € en diamant pour permettre un virement vers le compte bancaire du créateur. Une fois le seuil franchi, le créateur peut ainsi initier la demande de conversion des diamants en argent réel. Il faut noter que TikTok applique une commission standard de 50% sur la somme convertie. Cette commission représente la part retenue par la plateforme pour faciliter cette conversion. Mais alors, combien rapportent les cadeaux TikTok aux créateurs? Une fois les cadeaux TikTok convertis en diamants, la valeur devient plus délicate à estimer. Les diamants ne possèdent pas de valeur fixe et ne se traduisent en valeur monétaire qu'au moment de leur échange. En général, les créateurs estiment la valeur d'un diamant à 2 pièces, ce qui signifie qu'ils ne reçoivent que la moitié des pièces d'origine par cadeau. Par exemple, un don de 5000 pièces sera interprété comme valant 2500 pièces pour le créateur. Cette estimation permet de mieux cerner la valeur perçue, mais rappelez-vous que seulement 50% du don vous reviendra, TikTok prélevant l'autre moitié en commission. Nous voilà enfin arrivés à la dernière façon de gagner de l'argent sur TikTok, et il s'agit des séries TikTok. C'est un type de contenu permettant aux créateurs de partager leurs stories et leurs vidéos contre rémunération, tout en se connectant plus activement avec leur communauté. Comme vous pouvez le constater, cette approche est légèrement différente des autres options payantes sur les réseaux sociaux. Vous ne payez pas pour avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires ou à un accès privilégié, comme ça
c'est le cas sur Instagram, TikTok ou YouTube. Il s'agit simplement d'un accès à un contenu exclusif que les utilisateurs décident d'acheter ou non. Pour résumer, un créateur télécharge ses vidéos sur TikTok, les ajoute à une collection qui bénéficie d'un accès premium et l'utilisateur paye s'il veut les regarder. Cependant, elle présente des inconvénients. Comme le nom série l'indique, il ne s'agira pas d'une vidéo unique mais d'une collection de vidéos. Pour chaque série, TikTok vous permet d'ajouter jusqu'à 80 vidéos et chacune de ces vidéos peut durer jusqu'à 20 minutes. Comme vous pouvez le constater, il s'agit de vidéos beaucoup plus longues que celles auxquelles TikTok nous a habitués. Pour chaque série, le créateur de contenu choisit un prix qui peut aller de 99 centimes à 189,99 €. L'une des nouveautés les plus intéressantes est la possibilité d'ajouter un lien vers une vidéo qui mène directement à la série. Avant de vous expliquer en détail les stratégies qui existent pour maximiser vos revenus, dites-moi dans les commentaires quelle façon de gagner de l'argent pensez-vous utiliser, ça m'intéresse. Maintenant que l'on a vu les différentes possibilités pour gagner de l'argent sur TikTok, je vais vous donner 4 stratégies pour maximiser vos revenus. Je suis sûre que la plupart d'entre vous sont aussi très intéressés par les stratégies qui permettent de maximiser les vues sur YouTube et ainsi en tirer un certain profit qu'est la monétisation. Je voulais vous recommander un outil qui va grandement vous aider dans cette tâche. Il s'agit de vidIQ. Il propose un large panel de fonctionnalités ultra poussées comme la génération de miniatures, d'idées de vidéos, de titres, de mots-clés pertinents ainsi que des scripts. Vous pouvez profiter d'un mois d'essai à la formule Boost pour seulement 1 € en passant par notre lien disponible en description. Il nous aide vraiment au quotidien dans la création de nos contenus et aujourd'hui on ne pourrait vraiment plus s'en passer. Bon, revenons-en à TikTok. Première stratégie pour maximiser ses revenus sur TikTok, la création de contenu attrayant et engageant pour attirer plus d'abonnés. La qualité du contenu est fondamentale pour attirer et maintenir un public engagé. Voici les caractéristiques d'un contenu attrayant et engageant sur TikTok. On a l'originalité avec des idées et perspectives unique pour se démarquer de la concurrence. La production avec un bon éclairage, un son clair, des montages propres pour améliorer la qualité de chaque vidéo. L'histoire, des vidéos captivantes et de la narration pour retenir l'attention des spectateurs. Les transitions créatives avec des transitions fluides et originales entre les scènes pour rendre les vidéos plus engageantes. Et enfin, on a les émotions pour susciter des émotions positives comme l'humour, l'inspiration et l'empathie pour créer un lien émotionnel avec le public. Si vous ne savez pas encore comment créer des vidéos TikTok, je vous recommande vraiment d'aller voir notre guide complet, le lien est juste ici ou dans la description. Deuxième stratégie, l'utilisation efficace des hashtags et des tendances pour accroître la visibilité. Pour augmenter votre visibilité sur TikTok et attirer de nouveaux abonnés, l'utilisation de hashtags pertinents et la participation aux tendances populaires sont très efficaces. Les hashtags servent à faire découvrir la vidéo à un public plus large. Lorsqu'ils sont génériques, ils risquent d'être saturés, ce qui rendra la vidéo moins susceptible d'être vue. Il est donc recommandé d'identifier les hashtags populaires et les défis en cours sur TikTok en explorant la page Découvrir, mais aussi en suivant les créateurs influents. Les hashtags doivent être aussi intégrés naturellement dans la description du contenu, je vous conseille de les mettre à la fin. D'un autre côté, même en participant à une tendance, la créativité est de mise. Il est donc important de trouver des moyens uniques de la personnaliser pour qu'elle corresponde à votre style et à votre contenu. Troisième stratégie, les collaborations avec d'autres créateurs et marques pour augmenter les opportunités de rémunération sur TikTok. L'une des méthodes les plus sûres pour gagner de l'argent sur TikTok est de collaborer avec d'autres créateurs, mais aussi des marques comme on l'a vu tout à l'heure. Ce partenariat peut contribuer à l'atteinte de nouveaux publics. Vous devez donc identifier des créateurs compatibles avec le même style, contenu et public que vous, puis de les contacter. Ensuite, développer une idée de collaboration comme des vidéos ensemble, des défis, des tutoriels, etc. Ensuite, partagez les vidéos avec vos audiences et mentionnez-vous mutuellement dans la légende. On vous conseille également de publier en même temps et de créer de l'engagement dans les commentaires. Et pour terminer, la quatrième stratégie est l'analyse des performances et les ajustements pour améliorer vos gains. Une fois les vidéos diffusées sur TikTok, il est essentiel de suivre et analyser leurs performances sur la plateforme. Cela vous permettra donc d'ajuster la stratégie si nécessaire. Voici mes conseils pour le faire efficacement. En premier, utilisez des outils d'analyse. TikTok propose des outils pour les créateurs de contenu dotés de fonctionnalités d'analyse intégrées pour suivre les vues, les likes, les partages, mais aussi les données démographiques de votre public. Ensuite, identifiez les tendances. Repérez les contenus qui génèrent le plus d'engagement et d'interaction auprès de l'audience. Puis, adaptez la stratégie en fonction des données, ajustez votre calendrier de publication, vos sujets de contenu, vos approches pour optimiser vos performances. Vous pouvez par exemple analyser quelles
vidéo génère le plus de vues afin de savoir quand poster sur TikTok. En combinant ces stratégies, vous pouvez augmenter vos chances de réussite sur TikTok et maximiser considérablement vos revenus. Et voilà, vous savez maintenant comment gagner de l'argent sur TikTok. En suivant ces astuces et en utilisant les outils de monétisation que nous avons vus, vous pouvez transformer vos vidéos en une véritable source de revenus. N'oubliez pas de rester créatif, de toujours engager votre audience et de suivre les tendances pour maximiser vos chances de succès. Les réseaux sociaux sont également un excellent moyen de faire la promotion de vos vidéos YouTube. Si vous souhaitez en savoir plus, ne manquez pas notre vidéo de formation gratuite. Vous y découvrirez une procédure étape par étape. Une fois configurée, l'automatisation fera tout le travail pour vous. Pour la recevoir, il vous suffit juste de cliquer ici ou sur le lien en description. À bientôt, ciao !